Pour moi, le Tour de Corse, c'est cette sensation, hein. Des souvenirs quand on était jeune avec les vieux pilotes, et maintenant ça continue, tout le monde attend ça chaque année. C'est un sport qui est magnifique, magnifique. Les gens, ils attendent beaucoup, beaucoup ça. Ça fait vivre beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. C'est tout à fait normal, parce que ça donne des sensations. Alors, pour les gens, c'est quelque chose. C'est même extraordinaire. Si on ne le voit pas, on croit même que c'est même pas possible de pouvoir faire des choses comme ça, hein, avec une voiture. Hein. C'est une tradition, hein. C'est comme quand on attend pour les processions. C'est une religion. C'est le Tour de Corse. Hein. C'est normal. Hein. A tradition woven into the fabric of the WRC history made on this island. And we'll bring you all the best action from the next chapter of the Tour de Corse story. A key protagonist was sure to be Sébastien Ogier, a Frenchman back in a French team. And with two wins from three this season, it's looking like a triumphant return. Starting a new adventure, it's nice to go back to this team because I think they can give me the opportunity to keep winning. Known as the Rally of 10,000 Corners, Seb Marshall and Chris Meek explain just how critical pace notes are in Corsica. I've always described pace notes, they're like poetry. Right, 100. Very tight fast, four left, late, 50. All stages, all live. Anywhere, anytime. WRC Plus, all live.